Le sport, ça représente beaucoup, j'ai pas de mots pour ça. C'est la vie pour moi en fait. Je m'appelle Steven Genot, j'ai 21 ans, j'habite à Rennes, je suis multisportif amateur. Je suis tombé malade en vacances et j'ai perdu l'usage de mes jambes. Et après, je suis venu à faire beaucoup de sports, tous les sports que je peux faire, et d'essayer que ça se voit moins. Si vous avez une idée, vous laissez pas abattre par les gens qui vous disent non, c'est pas possible. Donc, tout est possible. Je fais du foot freestyle amateur et du street workout. Enfin, je connais ça depuis longtemps. Moi, en fait, même avant de connaître du foot, le moindre sport, je voulais tout le temps faire du freestyle. Enfin, n'importe quoi. Fallait que je fasse un salto, fallait que je fasse une figure. Fallait que ça soit ultra stylé, quoi. Je suis obligé de faire un gris-gris, je suis obligé de faire un. Pour faire un finish ou autre. Le sport, ça représente beaucoup. J'ai pas de mots pour ça. Pour moi, le sport, il me relève beaucoup. Ça peut apporter beaucoup de choses. Tes rencontres. T'as plus de respect aussi, ça c'est important. Je me repose pas beaucoup. Je me repose juste vers 22h tous les soirs. Mais dès que je peux faire du sport aussi, je dors pas. Des fois, même à minuit, j'hésite pas à prendre des barres ou un ballon, ça dépend de l'endroit où je suis, et je continue. Pour l'instant, je suis pas encore capable de faire comme un freestyler valide, mais en prothèse, c'est assez chaud à mettre. Enfin, un kiné du sport, et c'est dur à trouver. Là, j'essaie d'en contacter un, mais ça sera pas, vu que je suis pas professionnellement, je l'aurai juste que de temps en temps. Pour l'instant, je travaille dur. Je prends des conseils à droite, à gauche, j'essaie de faire un max tout seul. Un jour, j'aimerais participer à être en équipe de France. C'est un rêve. Et moi, c'est surtout au niveau de la course que j'ai envie d'être. Je ferai la course longue distance et du sprint. À quoi je rate, je recommence. Ben, en fait, je suis déjà hyper exigeant en moi-même. Mais des fois, même quand j'ai mal, je continue un peu autour du monde ce que j'ai fait. Hein. Et j'ai fini par le mettre et voilà. Et là, je fais pareil pour toutes les choses. Merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous a plu.